Bonjour à tous. Moi, pour me présenter très brièvement, je suis Léonore Moyon, je suis chef de projet Réseau Alliance et je suis accompagnée ce midi de Sophie Letarte, qui est déléguée à l'accompagnement des entreprises et à l'innovation chez Sophie Letarte, chez Réseau Alliance, pardon, et Frédéric Deloye, ambassadeur de la communauté des entreprises à mission Hauts-de-France et président d'Anaïk. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous, merci Léonore. On vous propose ce webinaire aujourd'hui sur l'entreprise à mission, les bénéfices de devenir entreprise à mission, pourquoi et surtout comment on devient entreprise à mission. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose de présenter Réseau Alliance pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, en deux slides exactement, Réseau Alliance, on est un réseau d'entreprises et d'organisations engagées dans l'économie responsable dans les Hauts-de-France. Notre ambition, c'est d'accompagner, en fait, tout simplement nos adhérents selon leurs besoins pour qu'ils puissent se transformer durablement. On a été créé il y a 30 ans, en fait. On a commencé à fêter nos 30 ans. On les fêtera notamment en 2024. On est aujourd'hui 340 adhérents et partenaires, des TPE, des PME, des grands groupes, des organisations, des associations, des établissements d'enseignement supérieur, toute taille, tout secteur d'activité confondu. On est basé à Marcq-en-Barœul, près de Lille, et on agit principalement dans les Hauts-de-France. On a été créé par trois dirigeants, donc il y a 30 ans, avec cette idée un peu de fédérer tous ceux qui souhaitaient s'impliquer sur le territoire, partager les bonnes pratiques, continuer de s'améliorer en gardant un temps d'avance. Du coup, on est vraiment un espace de rencontre et de coopération. Nos métiers, ça va être à la fois de sensibiliser pour embarquer le plus grand nombre de nos parties prenantes et à la fois d'accompagner pas à pas les acteurs selon leurs besoins en leur donnant des outils et des méthodes. On va également expérimenter de nouveaux projets à impact en créant des espaces pour que les mondes se rencontrent et pour valoriser un peu l'ensemble de cet écosystème. Et toutes ces actions, en fait, elles sont simplement menées au regard des réalités de notre territoire dans un esprit, je le disais, de coopération permanente avec les acteurs, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. On agit donc sur un ensemble d'axes que vous voyez sur cette seconde slide. Et pour l'ensemble de ces axes, on a différents outils d'accompagnement et on a différentes méthodes qui viennent se compléter. Vous le voyez à droite, on propose à la fois des actions de sensibilisation. On organise chaque année environ une petite centaine de rencontres avec notamment le World Forum, donc qui est l'une des actions phares de Réseau Alliance qui a eu lieu là il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, où les trophées de l'économie responsable qui récompensent chaque année des entreprises et organisations sur leur démarche RSE. Donc là, on a les deux grands temps forts historiques de l'association, mais on a également toute l'année plusieurs actions sur les différents prismes de Réseau Alliance. On a également de l'accompagnement collectif, j'en parlais juste avant. On anime plusieurs communautés d'acteurs autour de nos axes d'expertise en capitalisant, encore une fois, sur les retours d'expérience donc de nos adhérents et des acteurs de notre écosystème pour favoriser les coopérations entre acteurs. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et enfin, on a une dernière partie qui est de l'accompagnement individualisé et personnalisé, où là, on intervient ponctuellement auprès des entreprises et organisations pour les accompagner sur une ou problématique ou axe donné. Voilà pour recontextualisation rapide de Réseau Alliance. Si ça vous va, Frédéric, Sophie, je vous laisse la main, Frédéric, si vous voulez prendre la main du PowerPoint. Bonjour à tous. Ravi d'échanger aujourd'hui pour vous présenter les actions de la communauté des entreprises à mission et beaucoup plus largement pour vous présenter le modèle de l'entreprise à mission, ce que c'est et en quoi effectivement l'entreprise à mission est un levier anti-greenwashing. Alors, la devise de la communauté des entreprises à mission pour laquelle je suis ambassadeur, comme Léonore l'a dit, dans les Hauts-de-France, c'est de transformer l'entreprise pour transformer la société. Donc, avec un modèle dont je vous parlerai. Bon, dans un premier temps, très succinctement, je donnerai les points clés de la loi Pacte qui a mis en place ce statut de société à mission. Ensuite, et on y reviendra probablement dans les questions-réponses à la fin, c'est mon expérience en tant que chef d'entreprise au niveau d'Anaïk,
ce que ça a pu procurer, apporter à moi en tant que chef d'entreprise, mais aussi aux différentes parties prenantes de l'entreprise et aux collaborateurs en particulier. Ensuite, quelles sont les grandes étapes ou quels sont les conseils pour que vous puissiez prendre ce chemin ou aller plus loin dans le chemin que vous avez déjà emprunté. Et puis, on pourra terminer par les points clés qui permettent de comparer notamment le label RSE Bicorp et puis aussi le statut d'entreprise à mission. Voilà, et surtout, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. En fin de présentation, on se consacre à peu près 10-15 minutes pour cela, tranquillement. Alors, l'Association des entreprises à mission, en réalité, je regardais sur le site ce matin, nous sommes maintenant 421 membres pour 1250 sociétés à mission en France. Le but de la communauté des entreprises à mission, qui est née avant même l'adoption de la loi PACTE, et pourquoi j'ai rejoint la communauté des entreprises à mission, c'est tout d'abord de pouvoir échanger entre pairs. Alors, le réseau Alliance est un lieu privilégié pour échanger. La communauté des entreprises à mission l'est également. L'autre avantage de la communauté des entreprises à mission, tout comme Réseau Alliance le fait, c'est de pouvoir apporter des modules et des programmes de formation. Ensuite, ça permet ensemble de continuer à nous perfectionner et nous améliorer dans nos pratiques. Et puis enfin, il y a un élément qui est important, c'est de promouvoir ce modèle, parce que si on est engagé dans la RSE ou si on adopte le statut d'entreprise à mission, c'est parce que on croit que l'entreprise elle a un rôle à jouer dans la société et on veut activement jouer ce rôle. Alors, la loi PACTE, que nous dit-elle? Alors, tout d'abord, c'est une loi qui a été promulguée le 22 mai 2019. Donc, c'est à la fois récent et pas tout à fait récent, avec un décret d'application qui est... qui a été publié au mois de février 2021. Pourquoi cette loi PACTE et pourquoi les entreprises doivent-elles s'intéresser à adopter ce statut d'entreprise à mission? Eh bien, on va focaliser sur les attentes des Français, comme vous le voyez à l'écran, c'est que les Français sont en attente de l'engagement en tant que consommateurs sont en attente des engagements des entreprises pour la planète et pour les personnes. Le deuxième élément, c'est que nous tous, en tant que citoyens, nous savons que les États et les ONG ne peuvent pas tout faire. Et donc, en tant que citoyens, nous attendons aussi que les entreprises prennent leur part. À titre individuel, les citoyens prennent leur part, mais ils attendent aussi que les entreprises agissent pour la communauté et s'engage dans une démarche RSE. Et puis enfin, on l'a vu particulièrement avec cette crise de la COVID, c'est l'importance de retrouver du sens et l'importance pour les entreprises de donner du sens aux salariés dans le but de favoriser les embauches, mais aussi, bien évidemment, de les fidéliser. Donc, cette loi PACTE et ce décret d'application arrivent à bon escient. Et juste pour vous rappeler, dans cette loi PACTE concernant donc l'impact environnemental des entreprises, il y a trois niveaux. Le premier niveau, qui n'est pas forcément connu et su, c'est que désormais, c'est la loi française qui le définit, toute société doit être gérée et doit gérer dans l'intérêt social et doit prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Et environnementaux dans le cadre de son activité. Ça, c'est l'article 1833 du Code civil. Ensuite, au-delà de cette obligation qui s'impose à toutes les entreprises, la loi PACTE permet de définir deux niveaux, deux étages. Il y a un étage qui est de dire que toute entreprise qui le souhaite, elle peut inscrire une raison d'être dans ses statuts.
et qui est donc de définir en quoi l'entreprise veut contribuer au bien commun et prend conscience de son impact pour l'environnement et pour la société. Et pour aller plus loin, la troisième étape que permet la loi PACTE, c'est d'adopter le statut d'entreprise à mission. Et on va voir juste ensuite quels éléments sont constitutifs de l'entreprise à mission. Alors, l'entreprise à mission, c'est en fait un cadre donné par la loi PACTE et c'est l'entreprise elle-même qui définit ce cadre. Il y a cinq critères qui rentrent en considération, cinq facteurs. Le premier d'entre eux, c'est de définir une raison d'être. La raison d'être, c'est de dire en quoi mon modèle d'affaires va contribuer au bien commun, en quoi ce modèle d'affaires va permettre à la société de se transformer, en quoi mon modèle d'affaires va me permettre d'être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc, c'est un point clé, c'est le premier étage de la fusée et c'est quelque chose qui a énormément de vertus. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais l'énorme avantage, c'est de se re-questionner sur, finalement, le sens réel de l'entreprise pour la collectivité et ne pas être uniquement centré sur une raison d'être ou sur une finalité esthétique, mais plutôt sur une dimension qui dépasse l'économique. Le deuxième facteur constitutif d'une société à mission, ce n'est pas juste d'être dans l'intention avec une raison d'être qui projette à plus long terme, mais c'est d'être beaucoup plus engagé en se définissant des objectifs. C'est ce que l'on appelle les objectifs statutaires, à savoir qu'ils sont inscrits dans les statuts de l'entreprise. Il est important que ces statuts définissent précisément les objectifs et que on définisse ensuite des moyens. Alors, parmi les moyens, la loi PACTE oblige, lorsque l'on adopte le statut d'entreprise à mission, oblige à constituer un comité de mission qui, selon la taille de l'entreprise, peut être limité à une personne, à être centré à des personnes de l'entreprise, mais après, pour une taille beaucoup plus importante, le comité de mission doit être ouvert aux parties prenantes de l'entreprise. Et enfin, quatrième facteur, c'est que l'entreprise doit être auditée par un organisme tiers indépendant. Il en existe dans la région et on pourra vous communiquer à la fin du webinaire les liens qui vous permettront d'accéder à tout un panel d'organismes tiers indépendants qui vont venir tous les 2 ans auditer l'entreprise pour s'assurer que l'entreprise est bien engagée pour aller vers la réalisation de ses objectifs statutaires conformément à sa raison d'être. Le cinquième élément qui n'apparaît pas à l'écran, c'est le fait que l'entreprise qui est entreprise à mission est inscrite au greffe du tribunal. Donc, c'est ce qui fait que officiellement, elle est reconnue en tant que telle. C'est sur la carte d'identité de l'entreprise, figure société à mission, au greffe du tribunal. Voilà les 5 éléments clés que vous devez avoir en tête sur ce qu'est une entreprise à mission. Évidemment, dans la phase de pratique, on pourra aller un peu plus loin sur notamment le cas d'Anaïk. Mais je vous propose dans un premier temps d'avoir un témoignage qui va vous communiquer. Donc, c'est le témoignage de Guillaume Deneuès, qui est le coprésident de la communauté des entreprises à mission, récemment est réélu, et qui va vous expliquer, dans le cadre de notre démarche, l'intérêt qu'il y a trouvé, lui, en tant que dirigeant.
Du coup, Frédéric, j'en profite pour rebondir. Comment est-ce que toi, puisque tu es ici aujourd'hui avec ta double casquette d'ambassadeur de la communauté des entreprises à mission, mais aussi président d'Anaïk, tu as vécu le process de devenir une entreprise à mission avec les équipes d'Anaïk. Comment est-ce que du coup ça s'est passé, tout ce processus, ces étapes? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience? Oui, alors volontiers. Je vais faire rapidement quand même un petit retour en arrière, mais on peut avancer sur un slide qui présente visuellement les produits d'Anaïk, puisque notre activité n'est pas forcément connue. En fait, le métier d'Anaïk, c'est la conception et la fabrication de cadeaux, de coffrets et d'accessoires. On intervient pour sur deux marchés, le deux tiers de notre chiffre d'affaires est représenté par le marché de la beauté et un tiers par des enseignes de distribution ou des VADistes, principalement dans les Hauts-de-France. Et nos approvisionnements sont à 80% en Chine. Donc, à partir de 2007, très vite, on s'est, avec les collaborateurs, on s'est intéressé à cette question de se dire, voilà, on s'approvisionne, mais on a envie d'être responsable dans nos approvisionnements. Et donc, c'est à partir de 2007 où nous avons écrit une politique RSE qui reposait sur quatre fondements. Un, c'est des audits sociaux dans les usines. Deux, c'est la suppression des emballages inutiles. Trois, l'éco-conception. Et quatre, le transport propre. Et compte tenu de ça, cette politique RSE, on l'a fait vivre pendant toutes ces années. Et quand on s'est retrouvé pendant cette crise du Covid, je me retrouvais en tant que chef d'entreprise vraiment esseulé, sans trop savoir où allait le monde. Et je me suis dit, bah, si je ne sais pas où va l'économie et où va le monde, tout au moins, je considère que j'ai une responsabilité qui est de clarifier mon projet d'entreprise. Et en le pratiquant, je me suis, et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai pu aller en détail de la loi Pacte. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette loi Pacte me donnait la possibilité d'inscrire dans le projet d'entreprise une raison d'être qui correspondait complètement à nos valeurs et à nos pratiques et à notre histoire chez Anaïk. Et c'est en ça où j'ai pu la présenter aux collaborateurs et où on a pu définir nos objectifs statutaires que nous allons revoir juste après. Voilà, merci. Alors, la raison d'être d'Anaïk, on a considéré que nous, dans le cadre de notre activité, puisqu'on utilise des ressources de la planète, on voulait vraiment être responsable de cette utilisation et on voulait au contraire transformer notre activité pour faire en sorte que notre activité soit régénérative et donc être le plus possible dans une vision et avec une raison d'être qui soit de générer un impact positif et durable pour les personnes et la planète dans le secteur de la promotion des ventes. Nous avons défini quatre objectifs statutaires, un objectif qui est vis-à-vis et un engagement qui est vis-à-vis de l'environnement, un deuxième objectif qui est l'épanouissement professionnel de nos collaborateurs, un quatrième qui est d'embarquer nos prestataires et un dernier élément qui est d'embarquer et nos parties prenantes. Je vais essayer de reprendre le contrôle. Voilà, ça apparaît juste après. Dans le cadre du premier objectif, nous avons défini cinq indicateurs qui sont des indicateurs qui correspondent à la fois à nos pratiques historiques depuis 2007. Par exemple, sur l'éco-conception, nous avions défini depuis 2007 qu'un certain nombre de matières ou de typologies de produits correspondaient à un référentiel qu'on appelle Anaïk Now, qui considérait que Anaïk Now, c'était
vertueux pour la planète. Par exemple, utiliser un coton bio plutôt qu'un coton conventionnel, c'est plus respectueux parce qu'on utilise moins de ressources naturelles, moins d'eau. Et de fil en aiguille, on a réussi à faire évoluer ce critère et on est en trajectoire pour faire en sorte que on utilise de moins en moins de matériaux, mais on est de plus en plus dans l'éco-conception et la réutilisation notamment de déchets. Pour vous donner un exemple maintenant chez Anaïk, nous avons 52% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec des matières naturelles ou avec des matières recyclées. Bien évidemment, ce n'est pas terminé. Nous sommes en chemin et notre objectif, c'est d'être à 100% de matière éco-conçue à horizon 2025. Un autre indicateur, bien évidemment, c'est le climat. Nous sommes sur une trajectoire net zéro émission de CO2 en 2030. Ceci est inscrit dans nos objectifs qui est suivi et accompagné par différents indicateurs. Là, j'en ai cité pour les deux principaux. Concernant les collaborateurs, pour citer deux points d'attention, nous avons trois indicateurs, je vais aller sur les deux essentiels. Concernant l'épanouissement professionnel, on a tous les trimestres un baromètre qui nous permet, en cinq questions, d'évaluer la température, la météo, et de savoir comment les collaborateurs se sentent dans l'entreprise. Au sens, au-delà de la qualité de vie au travail, c'est je me sens dans une entreprise qui m'épanouit sur le plan professionnel et je sens que je peux donner du sens à mon travail. Autre indicateur pour évaluer l'épanouissement de nos collaborateurs, c'est les plans de formation. Chaque collaborateur, et je devrais dire plutôt que plan de formation, je devrais dire plan d'épanouissement professionnel pour que on puisse accompagner nos collaborateurs avec des actes de formation qui vont lui permettre d'être plus performant, de plus engagé et plus épanoui dans son travail. Troisième objectif inscrit dans les statuts de l'entreprise Anaïk, c'est d'encourager nos prestataires à prendre un chemin beaucoup plus vertueux. Et là, ça concerne principalement nos prestataires en usine et fournisseurs en Chine, mais pas que en Chine, également en Europe. Et là, nous avons trois indicateurs de suivi. Et enfin, pour le quatrième objectif qui est de promouvoir un modèle beaucoup plus vertueux pour la planète et les personnes, nous avons choisi de devenir, d'être audité EcoVadis. Et donc, nous avons choisi le référentiel EcoVadis et nous avons choisi également le référentiel B Corp pour promouvoir un modèle économique plus vertueux pour la planète et pour les personnes. Donc Sophie, je vais revenir sur la question que tu posais, c'est quelles sont les étapes pour devenir société à mission. Dans le cas d'Anaïk, je l'ai expliqué, c'est une démarche que nous avons menée par nous-mêmes, puisque le décret d'application est paru en février et que Anaïk a adopté le statut d'entreprise à mission en septembre 2021. Il se trouve que on a, je fais confusion sur les années, on est devenu société à mission en septembre 2020. Alors, il se trouve que on était vraiment dans les tout premiers à se lancer et à devenir société à mission. On était la 88e en France et il n'y avait pas suffisamment de consultants ou de cabinets susceptibles d'accompagner les entreprises à cette époque-là. Et compte tenu de nos pratiques historiques, on a considéré qu'on pouvait tout de suite passer à la phase de rédaction des statuts,
que nos collaborateurs étaient suffisamment prêts à accueillir ce statut. Et il y avait aussi un point important qui est que, comme je suis le dirigeant et le propriétaire de l'entreprise, il n'y avait pas besoin d'une longue étape pour mettre d'accord le dirigeant et l'actionnaire. Donc, on a rapidement adopté ce statut, on est passé à la rédaction des statuts avec un cabinet d'avocats. Je dois dire au passage qu'il ne faut pas avoir de stress sur ce sujet, c'est-à-dire que ces statuts, nous, on les a modifiés par la suite. C'est quelque chose qui est extrêmement perfectible et ce n'est pas trop lourd que de faire une révision des statuts pour apporter tel ou tel correctif dans le cadre des statuts. Alors, avec le recul maintenant, il y a trois manières de faire. On le fait par soi-même, c'est le cas d'Anaïk. Évidemment, ce qui est important, c'est d'obtenir l'engagement des collaborateurs, l'alignement avec l'actionnaire, ce dont je parlais. L'autre point que moi je recommande, parce que c'est quand même un statut un peu spécifique, et puis il faut embarquer les collaborateurs. Donc, il existe, que ce soit dans le cadre d'Alliance ou que ce soit dans le cadre de la communauté des entreprises à mission, il existe des formations pour pouvoir devenir leader à mission. Et ce leader à mission, il est formé sur l'aspect théorique et sur l'aspect pratique, sur comment embarquer et comment rédiger une raison d'être, comment rédiger des objectifs statutaires, quels indicateurs mettre en place, etc. Donc, on vous mettra dans les liens l'accès aux formations leader à mission qui sont délivrées par la communauté des entreprises à mission. Et puis après, il y a un autre élément pour se faire accompagner, bien évidemment, qui est de se faire accompagner par des cabinets, parce que là, maintenant, il commence à y avoir une bonne pratique, puisque maintenant, avec 1500 entreprises à mission en France, eh bien, il y a tout un écosystème qui se met en place. Je peux citer des sociétés type MySésame, type La Machine à Sens, type Hatch, qui sont ou Cabinet Saint-Front, ou Utopie, ou Imagreen, qui sont en fait des cabinets spécialisés pour accompagner les entreprises dans leur démarche. Et je dois dire que chaque entreprise peut être entreprise à mission ou peut adhérer à la communauté des entreprises à mission plutôt sans être entreprise à mission. Je m'explique, c'est qu'une entreprise qui souhaite prendre le chemin peut adhérer à la communauté des entreprises à mission du moment qu'elle prend le chemin et qu'elle cherche à aller vers ce statut d'entreprise à mission ou simplement à adopter une raison d'être. Je peux citer un exemple récent dans la région, puisque c'est Alice Delis qui vient de devenir société à mission, mais qui est adhérente de la communauté depuis quelques années. Alors, une fois que vous avez défini sur la manière de faire pour devenir société à mission, il y a naturellement des étapes à respecter. Schématiquement, pour ces étapes à respecter, moi je parle et je donne une image sous forme de triangle. À la base du triangle, vous devez prendre conscience des bonnes pratiques de votre entreprise et aussi des bonnes pratiques de vos collaborateurs. Qui, dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, agissent déjà pour le bien commun, dans le cadre de leur vie associative, dans leur cadre avec la famille, aller collecter des déchets sur le bord de la route, etc. etc. Il y a tout un tas de bonnes pratiques pour la planète et pour la société qui sont exercées par des collaborateurs et qu'il est intéressant de conscientiser. Parce que quelque part, ce que fait le collaborateur en dehors de l'entreprise, il peut avoir envie d'aller plus loin et de le faire aussi dans le cadre de son activité. Et puis, bien naturellement, toute entreprise est vertueuse et beaucoup d'entreprises font des choses, mais sans le dire et sans le savoir. Et c'est déjà bien de se le dire ensemble,
dans l'entreprise, avec les collaborateurs, pour se dire, ah bah oui, tiens, ça, ce qu'on fait, c'est bien. Et si on allait plus loin? Voilà, donc le socle, c'est la prise de conscience de la culture, des bonnes pratiques et des valeurs de votre entreprise. Ça, c'est la base du triangle. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis longtemps. Ensuite, il y a une autre phase du triangle qui est le projet. Ah bah tiens, on fait ça, mais qu'est-ce qu'on aimerait faire demain? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? C'est le projet de l'entreprise qui est au-delà de l'économique. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous donne du sens? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour aller au-delà de ce que l'on fait actuellement? C'est finalement saisir l'opportunité d'innover pour faire en sorte que nous soyons en capacité de projeter l'entreprise dans le monde de demain. Enfin, la troisième phase du triangle, c'est d'intégrer tous les éléments extérieurs qui vont pousser l'entreprise à être beaucoup plus vertueuse et à intégrer la RSE dans le cadre de son modèle économique. Vous pouvez faire l'inventaire de tout ce qui nous pousse à être beaucoup plus vertueux dans le cadre de notre activité. Il y a les normes, l'Europe, les ONG, les startups, les clients, les collaborateurs, toute entreprise qui ne s'engagerait pas à être beaucoup plus vertueuse et à intégrer la RSE dans son modèle économique est une entreprise qui, assurément, ne pourrait pas avoir un projet d'avenir. Elle pourrait prendre le risque, si elle ne le faisait pas, elle prendrait le risque de ne pas embarquer des collaborateurs. Elle prendrait le risque d'avoir des difficultés à recruter. Elle prendrait le risque de perdre des clients, etc., etc. Elle pourrait même prendre le risque de ne plus être financée. Donc, tous ces éléments qui poussent les entreprises à faire de la RSE, adopter le statut d'entreprise à mission, c'est de faire de la contrainte une opportunité, c'est de transformer un pépin en pépite, et c'est véritablement d'intégrer le bien commun au cœur de son modèle économique. Donc, c'est ça l'expérience analytique que je veux vous témoigner, c'est que finalement, en l'intégrant au cœur de notre modèle économique, ça m'a permis au niveau de l'entreprise d'être beaucoup plus innovante, beaucoup plus alignée sur son sens, d'être beaucoup plus performante parce que, entre autres, nous avons adopté le statut d'entreprise à mission qui nous a permis d'inscrire dans nos statuts d'entreprise notre raison d'être au-delà de l'économique. Alors, je parlais de rédiger les statuts, adopter la qualité de société à mission, c'est rédiger les statuts. J'y reviendrai pas parce que j'en ai parlé longuement. Il faut se faire accompagner. Il y a des cabinets et des consultants qui peuvent vous accompagner pour cela. Et il y a des cabinets d'avocats qui maintenant sont bien au fait du sujet. Naturellement, ça se vote en Assemblée générale. Et comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a adopté le statut de société à mission, eh bien, c'est inscrit au greffe du tribunal. Alors, naturellement, le plus important, c'est de le faire vivre dans les pratiques. Il faut que, la différence entre une société à mission et une autre entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de choses que l'entreprise, dans le cadre de son activité, va s'approprier et vraisemblablement, certaines sociétés considéraient qu'elles avaient une activité économique et à côté de ça, elles faisaient un certain nombre d'actions où elles avaient une fondation qui était un outil ou un véhicule pour le faire. Là, en fait, c'est différent. C'est on re-questionne et réinnove dans son modèle économique en se disant, mon modèle économique, je lui définis une contrainte positive qui est de faire en sorte que je veux que mon modèle économique contribue au bien commun parce qu'il faut transformer mon activité pour pouvoir transformer la société. Donc,
La définition des objectifs, elle est très importante. Il faut avoir des objectifs qui soient ambitieux pour embarquer tout le monde, pour stimuler l'innovation, mais il faut avoir des objectifs qui soient limités et suffisamment réalistes pour être bien connectés à la réalité économique et aux contraintes de marché de l'entreprise. Ensuite, bien naturellement, il faut, une fois que les choses se mettent en place, il faut qu'il y ait un contrôle. Il y a un double contrôle dans le cadre de l'entreprise à mission. Il y a en interne le comité de mission. Dans le cas d'Anaïk, il est composé de 3 personnes qui peuvent inviter une personne de l'extérieur et qui se réunissent à minima 3 fois par an. Et dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise, j'ai un comité stratégique. Ce comité stratégique se réunit une fois par trimestre pour analyser l'activité économique et les stratégies de l'entreprise, mais systématiquement, dans l'ordre du jour, on analyse les objectifs à impact de l'entreprise. Donc, ce qui est obligatoire, le comité stratégique, il n'est pas inscrit comme obligatoire dans le cadre de la société à mission, c'est une spécificité que j'ai choisie pour Anaïk, mais par contre, ce que définit la loi PACTE, c'est qu'il faut un comité de mission qui se réunit régulièrement et qui publie une fois par an un rapport de mission pour l'Assemblée générale des actionnaires. Et puis, tous les 2 ans, un organisme tiers indépendant. Alors, je peux citer en organisme tiers indépendant, dans la région, nous avons KPMG, nous avons Axis Conseil, qui sont des organismes tiers indépendants qui sont donc tout à fait en capacité, objectivement, d'analyser les performances de l'entreprise et de s'assurer qu'elle est bien engagée dans la trajectoire qu'elle s'est définie conformément à ses objectifs statutaires. Alors maintenant, pour faire un dernier zoom sur les entreprises à mission en France. Alors, je disais 1500 entreprises, on est autour de 1500 entreprises aujourd'hui. Avant l'été, on était à 1250 entreprises. Alors, c'est à la fois peu et beaucoup pour un statut ou une spécificité de la loi PACTE qui est, somme toute, pas encore assez connue. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi d'être ambassadeur dans les Hauts-de-France, parce que je crois en ce modèle, à l'intérêt de ce modèle. Ce qui est assez encourageant, c'est qu'on voit que c'est surtout la taille des entreprises qui grossit et que ça embarque de plus en plus de sociétés, ça embarque de plus en plus de collaborateurs dans les entreprises. Et puis, ça embarque aussi des entreprises et des grands groupes de plus grande dimension, avec des dimensions internationales et avec des dimensions aussi industrielles. Je vais ouvrir une parenthèse sur l'international. L'entreprise Anaïk, elle est présente dans 6 pays. Donc, on est présent aux États-Unis, à New York. On est présent à Londres, à Dubaï, à Singapour, à Shanghai, à Hong Kong, à Villeneuve-d'Ascq, le siège, et à Paris. Et ce matin, pour l'anecdote, dans l'intranet de l'entreprise, je voyais une photo de l'équipe de Hong Kong qui, ce week-end, s'est réunie pour aller collecter des déchets sur une plage. Ceci pour vous dire que souvent, j'entends que la loi PACTE, c'est une spécificité française. Oui, c'est vrai, mais c'est en train de s'européaniser et que ça ne concernait que la conscience environnementale des Français. Eh bien, mon exemple à Hong Kong prouve le contraire. Et je peux vous dire que les collaborateurs de Hong Kong ou de Dubaï ou de New York sont autant mobilisés sur la raison d'être et sur le projet Anaïk, où qu'ils soient. Par contre, ils le font de manière différente parce qu'ils sont dans un environnement et dans un contexte différent et puis parce qu'en tant que personne, ils ont des envies qui sont différentes. Donc, l'international n'est pas un frein à adopter du tout le statut d'entreprise à mission.
Alors, pour garder le temps sur les échanges et pour répondre aux questions, quand même une question importante sur la différence entre la RSE, B Corp, société à mission. Schématiquement, vous récupérez le support de formation, donc vous verrez en détail. Schématiquement, et ce qu'il faut retenir, c'est que ce que je qualifiais tout à l'heure dans l'image du triangle, la RSE, c'est l'ensemble des contraintes extérieures qui vont peser sur l'entreprise, qui vont peser différemment sur l'entreprise en fonction de son activité, en fonction de son marché, mais qui de toute façon vont pousser les entreprises à être beaucoup plus conscientes de leur impact social et environnemental. Et donc, tous ces éléments-là, il faut les inventorier. Il faut les inventorier, ne serait-ce que pour être en conformité avec la loi, mais aussi il faut les inventorier et il faut les intégrer, il faut les mettre en pratique pour être connecté avec son marché, aux attentes de ses clients, aux attentes des collaborateurs, etc. C'est un ensemble de contraintes qu'il faut transformer de manière positive pour continuer à faire évoluer son modèle d'entreprise. Une fois qu'on choisit d'adopter le statut d'entreprise à mission, c'est différent. C'est une liberté qui est donnée à l'entreprise et au chef d'entreprise et à son équipe dirigeante et à ses collaborateurs de pouvoir définir en quoi son modèle va être vertueux et va délivrer un impact positif pour la planète et pour les personnes. À partir du moment où vous définissez par vous-même votre cadre, vous gardez réellement la liberté d'entreprendre. Et donc, avec les collaborateurs, vous choisissez les causes que vous voulez soutenir dans le cadre de votre activité. Donc, ce n'est pas une contrainte, c'est véritablement une opportunité. Ce qui compte, par contre, c'est de définir des objectifs et de les tenir dans le temps et de suivre des indicateurs pour ça. Donc, autant quand on choisit un référentiel, que ce soit EcoVadis, que ce soit B Corp, d'autres référentiels qui vont venir prouver que vous êtes engagé dans une démarche RSE, bah, le cadre de l'entreprise à mission, ça n'est pas un label. C'est un statut que l'on adopte. C'est-à-dire que c'est une intention avec un engagement qui se traduit par des objectifs et avec un audit qui va contrôler que vous avez bel et bien, vous êtes engagé dans le cadre de votre raison d'être et de vos objectifs. Donc, c'est vous qui définissez votre cadre et vos indicateurs, mais par contre, ce n'est pas un label. Enfin, le label plutôt, pardon, de B Corp fait qu'il faut répondre à un questionnaire. Il y a un BI et il y a 5 domaines sur lesquels on est audité. Et pour prétendre à conserver ce label B Corp, eh bien, tous les 2 ans, on repasse le questionnaire en revue. Le problème avec, dans le cas d'Anaïk, on s'en est bien rendu compte, le problème avec ce label B Corp, c'est que c'est un label global, d'origine américaine, avec des questions qui ne concernent pas une société française, ou avec des questions qui sont un petit peu déconnectées de notre activité, mais néanmoins, c'est un label qui a une reconnaissance mondiale. Et puis, c'est une grille qui est la même pour des entreprises qui voudraient prétendre un label B Corp avec une activité semblable à celle d'Anaïk. Donc, c'est quand même une reconnaissance intéressante. Pour moi, les deux ne s'opposent pas, mais se complètent. Dans le cas d'Anaïk, historiquement, on a choisi de devenir société à mission le temps d'être audité B Corp, parce qu'il y avait des longs délais pour être audité B Corp. Mais je rencontre d'autres entreprises qui commencent par le B Corp et qui vont ensuite se mettre en chemin pour devenir entreprise à mission. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes ou plus, si vous le souhaitez, pour répondre aux questions. N'hésitez pas à poser des questions soit dans le chat, soit directement à main levée. Vas-y, Sophie.
Oui, moi, Frédéric, du coup, j'avais une question. J'avais deux questions finalement. La première, c'est sur la gouvernance et comment est-ce que ça a influé et fait évoluer la gouvernance chez Anaïck. Et en lien avec ça, tu m'avais partagé en préparation du webinaire que ça avait servi aussi des projets tels comme des projets autour de la décarbonation dans l'entreprise. Donc, comment est-ce que ça a aussi mis en mouvement ou en tout cas été un levier d'innovation pour les collaborateurs, par exemple? Ok, alors merci. En termes de gouvernance, je parlais de comité stratégique et ça, c'est spécifique à Anaïck, c'est-à-dire que j'ai profité du changement statutaire en adoptant le statut de société à mission pour venir inscrire un comité stratégique qui a la responsabilité de se réunir une fois par trimestre pour analyser les stratégies, les performances économiques et extra-économiques de l'entreprise Anaïck. Ce comité stratégique, c'est juste une initiative de la part d'Anaïck. Si maintenant on revient sur la gouvernance pour une société à mission, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un comité de mission qui doit se réunir minimum 3 fois dans l'année. Et qui doit éditer une fois par an un rapport de mission. Ce rapport de mission, dans la gouvernance, l'entreprise, elle est challengée par l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier que l'entreprise avance bien par rapport à ses objectifs, mais aussi que l'entreprise donne bien aux collaborateurs de l'entreprise, à ses différents acteurs et à ses parties prenantes, elle donne bien les moyens de soutenir sa raison d'être et d'atteindre ses objectifs statutaires. Et l'organisme tiers indépendant questionne le comité de mission. Est-ce que le comité de mission ressent le fait que l'entreprise est véritablement engagée? Est-ce que le comité de mission a véritablement les moyens de pouvoir faire vivre la mission et la raison d'être? Ce qui est très intéressant dans cette gouvernance, c'est qu'on n'est pas sur un schéma classique qui est assez descendant, mais que finalement, grâce à ce comité de mission, les collaborateurs peuvent faire remonter et participer à la mise en œuvre de différentes initiatives qu'ils aimeraient mener par eux-mêmes. Par exemple, on avait défini que pour l'épanouissement des collaborateurs, ce que je dis, c'est classique, hein, c'est pratiqué dans beaucoup d'entreprises, mais on a dit, voilà, on va donner 2 jours de mécénat de compétences, on va donner 2 jours à nos collaborateurs pour exercer, utiliser de ce temps pour contribuer au bien commun. Eh bien, le comité de mission a défini et a choisi et a défini un catalogue. Qui permet aux collaborateurs et des partenariats avec des ONG, qui permet donc aux collaborateurs de venir s'inscrire à des événements dans lesquels ils vont pouvoir contribuer et choisir à la carte. Et donc, le comité mission est venu un petit peu cadrer ça dans le cadre de la mission. Donc, c'est intéressant parce que finalement, c'est à la fois descendant et c'est remontant. Dans cet exemple-là, c'est plutôt remontant, mais par contre, le cadre avait été donné dans le cadre de la mission, précisément auparavant. Et donc, ceci pour dire que c'est une forme, donc je vais venir à ta deuxième question, Sophie, c'est ceci est facteur d'innovation, parce que c'est facteur d'initiative qui vont pouvoir éclore dans l'entreprise. Alors, quelle initiative ça peut générer? Ce qui est intéressant, c'est de dire que on rentre ça le plus possible dans le modèle économique de l'entreprise. À l'époque, il y a 3-4 ans, on avait un ingénieur textile en Chine qui avait développé une chaîne d'approvisionnement en polyester 100% recyclé à partir de bouteilles en plastique. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 3 ans, c'était 80% de polyester recyclé, 20% de tissu. Confectionné, tissé à partir de polyester conventionnel. Lui, il a réussi à mettre ça au point à 100%.
Et à partir du moment où je vais en Chine et je découvre qu'il a réussi à mettre ça au point, c'est un peu plus cher, mais je dis, mais c'est tellement génial. À l'époque, chez Nature et Découverte, des sacs à dos enfants, c'était que 80%. Nous, on arrivait à 100%. Mais je dis, ben voilà, j'ai réuni les collaborateurs et on a travaillé avec les stylistes sur une gamme de produits innovantes. On a réuni nos clients et on a dit à nos clients, voilà, on vous présente cette gamme. Cette gamme, elle est innovante et cette gamme, elle a du sens. Et cette gamme, on veut qu'elle soutienne la cause des océans. Et donc, si vous nous passez commande d'un produit de cette gamme ou d'un produit approchant de cette gamme, mais en tout état de cause, dans cette filière, qui est 100% de polyester recyclé, dans ces cas-là, Anaïck s'engage à reverser 3% du chiffre d'affaires à une ONG partenaire qui s'appelle Wings of the Ocean. Et donc, c'est là où, véritablement, ça a donné de la visibilité à l'entreprise et ça a donné du sens et de l'esprit d'initiative aux collaborateurs parce qu'ils se seront rendus compte que dans le cadre de leur activité au quotidien, ils pouvaient contribuer au bien commun et à commencer par soutenir la cause des océans. Wings of the Ocean étant une ONG partenaire qui va collecter des déchets dans les océans, comme son nom l'indique, et principalement dans les embouchures de fleuves. Et donc, on a un partenariat avec Wings of the Ocean, avec des clients qui ont tout de suite soutenu cette cause. Et ça nous a permis d'améliorer notre performance commerciale, je dois le dire, sur cette filière. J'ai une dernière question, Frédéric, si on peut y répondre. Enfin, vous avez commencé à y répondre très brièvement, mais une question dans le chat. Comment avez-vous choisi qui fera partie du comité de mission? Certains membres sont-ils aussi dans le comité stratégique? Oui, alors, j'ai vraiment voulu distinctement séparer le comité stratégique, les membres du comité stratégique des membres du comité de mission, de manière à ce que le comité de mission soit se sente totalement libre de sa parole. Et il faut savoir que classiquement, dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises que j'ai observées, c'est que le comité de mission rapporte au comité de direction qui lui-même rapporte à l'actionnaire. Donc, ça peut être un conseil d'administration ou un comité stratégique ou une assemblée d'actionnaires. Mais dans le cas d'Anaïck, j'ai souhaité que le comité stratégique dans lequel je suis avec ma fille aînée, puisque c'est une entreprise familiale, avec une représentante des salariés et avec deux personnes extérieures qui sont des représentants des parties prenantes. Donc, j'ai eu notamment, c'était le cas pendant quelques années, le président de l'ONG Wings of the Ocean. Donc, ce comité stratégique donne une feuille de route au comité de direction et ce comité stratégique écoute directement le comité de mission, ce qui lui permet de redescendre ce qu'il a entendu du comité de mission au comité de direction. Voilà, j'espère que c'est clair dans ce que je dis, mais pour la plupart des entreprises, le comité de mission, il rapporte au comité de direction. Et ensuite, dans le cas d'Anaïck, j'ai choisi la responsable RSE et j'ai proposé à des collaborateurs de candidater librement et c'est les collaborateurs qui ont désigné deux représentants. Merci beaucoup. Il est 13h, il est 13h pile. Voilà, on vous remercie dans le chat. Merci beaucoup, Frédéric. On va vous mettre l'ensemble de la présentation sur la page dédiée sur notre site internet avec le replay du webinaire, l'ensemble des ressources évoquées par Frédéric.
On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric, ce midi. Nous, on vous donne, côté Réseau Alliance, rendez-vous dès lundi prochain pour le dernier webinaire de l'année sur le rapport RSE, comment on produit, comment on valorise, comment on rédige un bon rapport RSE. On a également la prochaine rencontre adhérent qui est exceptionnellement ouverte aux non-adhérents et du coup aux curieux qui veulent découvrir le réseau le 26 janvier. Et on a également le lancement du programme Transformer son business model qui démarre le 18 janvier. Merci beaucoup, merci à tous, merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. Et avec plaisir. Et à bientôt. Merci, au revoir. Bon appétit à tous, merci, à bientôt. Au revoir. Merci.